Eh bien, salut à toutes et à tous, amis, c'est Paradox, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon version rouge-feu. Et donc, on est toujours dans la route de victoire à l'étage 2, si j'ai pas de bêtises. Oh, un Carapuce. Carapuce, si j'ai pas de bêtises, c'est Lance-Flamme qui était utile contre lui. C'est ça. J'ai lu Ampleur. Bon, ok, c'est pas mieux. On va envoyer Radégali. On va faire un séisme. Et il soigne. Putain, mais c'est un enfoiré ce Pokémon. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Mais non, mais arrête avec cette attaque. Faut pas le faire. Faut pas de copain. Pas de copain. N'importe quoi. Putain, mais non, quoi. Il vient de me one-shot deux Pokémon, quoi. Rien qu'avec son attaque. Vibra quoi, allez, vas-y, c'est bon, dégage. On va envoyer Vibranymphe comme Pokémon à tuer. Scorplane. Ok, on va utiliser du coup un rappel sur Dracaufeu. Bon, je pense que j'y passe. Voilà. Ouais, l'espoir que notre Dracaufeu, moi, il monte le 42, quoi. Lance-flamme. Parfait. Voilà, comme ça, notre Scorplane monte le 42. En plus, il soigne. Il est parfait, ce Pokémon. On est au level 42. On va changer. On va envoyer notre Noctali. Kabutops. On va tenter une attaque Buldo. Yoga. Ça fait quoi? Ça augmente ses stats. Ok. Ça augmente son attaque. Ça va. Encore. Pas trop gênant. Machouille. J'aime pas sa attaque. Donc t'as utilisé Buldo. C'est bon, ça passe. Voilà. Un Serfang. Un Serpang. Serfang. Le mec invente des noms. C'est entre Serpang et Serfruit. Ça fait Serpang. Ça fait. Vesser. Serfang. Ballon, ouille. Ça me saoulait le Serpang. Tu m'as saoulé. Encore une fois, désolé, je suis encore malade. Enfin, même si pour vous ça doit faire 2 jours. Pour moi, c'était il y a 30 secondes. Vu que bon, normalement, la semaine où vous voyez ça, je suis pas là.
Je suis pas là. Mettez. Non. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée, ça. Pas du tout une bonne idée. On envoie quoi? Au revoir, Golise. Merci d'être passé. Il cheat avec son gros loquet. On va soigner aussi Vibranymphe. On va juste lui donner un petit rappel. Voilà. Toc. Ensuite, on va prendre une hyper potion qu'on va donner. Non pas Vibranymphe, on s'en fout. Mais Athénée fixe. Ensuite, on va prendre le multi-exp et on va le donner à Ténéfix. À Brazegali. Depuis tout à l'heure, je crois que je dis Ténéfix, mais en fait, c'est Brazegali. Comment est-ce que. Ok. Ok. Oh là là, non. Ok, c'est bon. C'est bon, je me casse, tu m'as saoulé. Tu repousses celui-ci pour m'en reprendre un autre, vu que ça m'évite quand même pas mal de Pokémon. Alors, comment est-ce que je faut que je le pousse? Je suis où là? Oh, je suis où? Ok, c'est pas là. C'est là. Voilà. Moi je peux tomber dans ce trou. Oui. Ensuite, celui-là, il faut que je le pousse par là-bas. C'est bon, ça passe. Tac, tac. Du coup. On a ouvert la porte 6 et donc du coup maintenant on peut se casser. Sauf si on a plein de Pokémon. Et donc oui, d'ailleurs oui, j'ai eu confirmation. Enfin, apparemment, ni Flagatos ni Rwagada vient de Diamant et Perle. Donc bon. Et donc là, faut qu'on se barre. Ok. Ensuite, on va ici. Donc là, on est. Donc là, on est là. Non. On est où? Ok, donc là, je suis là. Ok, c'est bon. Quoique là, il y a un combat en soi. Est-ce que c'est un combat double? Non. Quoique, peut-être. Ouais, c'est combat double. Parfait. Ça, c'est cool. Voilà, on va faire ça tout de suite. Parce que Vibranymphe, c'est bon. Ça va bien 5 minutes. Aïe! Purée Dracaufeu! Ok. Bon, Dracaufeu y est passé. On va envoyer, du coup, notre Ténéfix. Vibrakoa sur lui. Toi. Bulldo. Bulldo, ça touche pas les deux. Ah ouais. Et Ouragan, par contre, ça touche les deux. Ok, en plus il est confus. Ok, toi tu utilises Ouragan. Parfait.
Ouais, ça fait pas beaucoup de dégâts. Toi, ultime à point, lui, toi. Continue, continue ça. Vas-y, blesse-toi dans ta confusion. Non. Ça aurait été trop beau. Ultime à point, et barre-toi. Donc t'as eu la trouille. Toi, tu vas encore utiliser ultime à point sur lui, et toi, tu vas faire bulle d'eau sur lui. Parfait. Putain. Donc t'as dit bulle d'eau. Ok, parfait, et deux. Je vois 9. Allez, hop, c'est parti. Onde boréale dans ta tête. Ça y fait aucun dégât. Et... bulle d'eau. Bulle d'eau, ça te fait mal. Ok. Donc toi, tu vas continuer à utiliser... Tu vas utiliser... onde boréale encore, et toi tu utilises bulle d'eau. Limite, quitte à ce que ça lui fasse pas de dégâts, au moins ça touche pas mon Noctali, quoi. Au moins ça touche pas une Noctali. Putain! Plus jamais d'ultra laser. Ok, ensuite ici du coup là je suis à la sortie. Là je suis où? Là je suis à sortie C. Allez, en espérant. Quoi? Damoclès? Non. Ça m'intéresse pas Damoclès. Ok. Yes, on est à la route 23. Ça, c'est cool. Et donc, on est bientôt. On est à la ligue. Putain, faut passer par où? Sérieux? C'est relou. Voilà. Plateau Indigo. Ok, donc on est à la ligue. Enfin, on est bientôt à la ligue, donc on va se préparer. Camerupt qui est level, qui est que level 37. On sent un petit kiff, allez. Voilà. On aura Mewtwo en cas de... qui sera là en mec à suicider. On va prendre le multi-exp.
On va le donner à Camerupt. Parfait. Ici, ça doit être quoi? Ça doit être le magasin. Ok, acheté. Je peux en acheter combien max? 12. On va en acheter 7. On va s'en acheter 3 comme ça. Des rappels, j'en ai. Ensuite, on va vendre tout ce qui nous sert à rien. Ok. Bon. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Qu'on se retrouve du coup la prochaine fois pour le combat de la ligue. Allez, sur ce, c'était Paradox. Pour ce, je sais plus combien de temps d'épisode de Pokémon version rouge-feu. On s'attaque dès... Dans 2 jours, on s'attaque à la ligue. Allez, bye bye tout le monde. Allez, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Paradox. Bye bye.